Salut, c'est Albat Boy. Je sais que je suis pas vraiment présent sur les réseaux sociaux ces jours-ci, c'est parce que j'ai un taf qui m'est super prenant. Je suis réalisateur de clips vidéo. Oui, je travaille pour des artistes aussi en parallèle. J'avais essayé de reprendre une vidéo de façon. Ben là, c'est un podcast. Aujourd'hui, j'avais parlé des potes. Ça commence bien. T'as ce pote mytho. Il est tellement mytho qu'il fait partie de la mythologie, quoi. Et ce mec, il ment pour rien. Et ce mec, puisque tu l'as crié, et il continue à mentir. Et tu l'as crié, hein. Mais il continue à mentir. Mec. Devine avec qui j'étais hier soir. Emeline? Non. Jadine? Non. Sofiane? Non, bon, laisse tomber. Allez. Rebecca, ma gueule. Ah. Elle était avec moi hier soir. Ouais, mais bon, pas toute la nuit, pas non plus. Vers quelle heure? Il était quelle heure? Vers les 20h, un truc comme ça. Pain. Mais non, il était à 23h. Pain. Bon, allez, ok, c'est vrai, c'était sa sœur. Mais sa sœur était avec elle, avec moi hier soir. Bon, ok, j'avoue, c'est son père. Bon, allez, vas-y, dégage. Dégage de ma chambre. Le mec, à chaque fois que tu veux aller bouffer, qu'on arrive devant la caisse, putain de merde. Le mec, il te fait ça. J'ai pas ma carte. Aïe, à chaque fois qu'on sort, t'as pas ta carte. On va te flinguer, Billy. T'as ce pote que tu invites chez toi, mais tellement il est à l'aise que t'as l'impression même que c'est plus chez toi, c'est chez lui. T'as pris ça où? Hein, ça? Dans ton frigo. T'es sérieux, là? Oui. Je te promets, c'est dans ton frigo. Eh, mais c'est mon t-shirt, ça. Oui, c'est à toi. Bon, ça fait déjà 2 ans. Ça passe si vite, putain. T'imagines? Alors là, lui, je le kiffe. C'est le pote, tu sais. Il fait comme s'il est thug. Ouais, genre, je suis thug. Mais en gros, c'est une tapette. Putain, comment je vais lui niquer sa race, putain de prof de merde. Je vais lui casser la gueule. Ah, c'est bon, la ferme. J'en sais tout ce que tu vas rien faire. Ouais, vas-y, c'est bon, je peux faire semblant aussi. Thug Life. On a tous un pote qui veut se croire chanteur. Le mec, il chante. Mais t'en as rien à foutre, limite. Yo, mec, j'ai trouvé une instru, c'est du lourd. J'ai jamais posé sur un truc comme ça, ma gueule. Ah ouais? Là, je pense que je vais pas percer seulement mes oreilles. Là, je pense que je vais percer dans la musique même. Tu écoutes ça, écoute ça. Vas-y. Écoute ça. Tu vas écouter? Écoute ça. Yeah! MC Crème Fraîche. Je rappe tout, même fromage. Abusif et ma musique. Yeah! Abusif et ma musique. Ah ouais, c'est du lourd, mec. Écoute ça. L'école, ça me saoule, c'est comme l'alcool. J'ai pas besoin de bip pour rapper parce que je suis pas à l'école. Hey, abusif et ma musique. Yeah, le fond m'emporte. Ouh. Yeah, hein. Putain, le flow, ma beat. Je parle pas de ma beat. Le flow est dur, un peu comme ma beat. Génial, franchement. Ah ouais, tu vas percer. T'as aussi ce pote drôle, mais que pour lui. Il est drôle, mais il se fait rire tout seul. Limite, des fois, tu veux rire, mais juste pour pas qu'il fasse de la peine. Hein. Ah, c'est de la charité de rigolade, quoi. Tu dois même sélectionner le rire qu'il faut pour la blague. Trop drôle, mec. T'as le pote qui est là, tu lui parles, tu lui racontes ta life. Tu lui demandes son avis, et là, le mec, qui te répond. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le mec, il est agacé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a même dit du russe. Ah, non, ça peut se transformer en tout, hein, en arabe aussi. Vois ce que je veux dire. T'as du racisme, hein. Eh, hey, c'est de l'aimant. Eh, tu connais pas l'aimant, quoi. Eh, hey, quand t'as rien. Calme-toi, eh, hey, pépère. Oh, on est pas chez McDonald's, hein. T'as ce pote aussi, tu sais, tu es invité chez lui, mais il a toujours sa mère qui le gronde. Putain, t'as envie de partir, t'es tellement gêné. Alors, tranquille, ma gueule. Ouais, tranquille. Ahmed! Ouais, c'est bon! Combien de fois je te dis d'aller jeter la poubelle? Mais je vais Ahmed. Jeter la poubelle, c'est bon! Combien de fois je te dis de faire la vaisselle? Elle veut pas se faire tout seul! Oh, t'inquiète, assieds-toi, mec! Va pas partir, si elle part, c'est bon la vaisselle là! Vas-y! Ahmed! Pas les couilles! Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai rien dit là! J'ai dit j'aime bien les nouilles! T'aimes bien les nouilles? Faut prendre ma gueule, hein, Ahmed! T'as limite pas envie de rester de loin, t'as tellement honte pour lui, qu'est-ce. Alors là, lui, laisse tomber. Il a rien envie de faire avec toi. Toujours avec sa meuf. Mais c'est quoi ce mec? On a dit qu'il vient de trouver un nouveau jouet. Putain, mais t'as aussi ce même mec quand on l'a largué. Quand tu le regardes, tu te dis, mais merde, c'est quoi ce navet? Putain, on t'a largué, regarde-toi, t'es comme un PD là. Qu'est-ce qu'il y a? C'était ses préférés. Qu'est-ce que tu fais avec la télécommande? Elle en avait une aussi.
ton poisson? Ouais, c'est mon poisson, ouais. Pourquoi? Et on avait un de poisson aussi. Des fois, je me demande si il existe vraiment. Si ce pote-là qui croit que tu es pote avec lui. Mais lui, c'est... limite, tu l'envoies chier, mais lui, ça lui fait rien. Il est anesthésié, il est immunisé, ce mec. Sinon, on fait quoi demain? Tu voulais dire qu'est-ce que tu fais demain? Ouais, mais bon, je viendrai avec toi. Je suis pas ton pote, mec. T'es juste un voisin casse-couille. Bon, ben appelle-moi quand tu bouges, ok, mon pote? Allez, j'y vais. Hein, on s'appelle. Allez, mon pote. À plus tard. Ouais. Connard. Ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si t'as reconnu quelques potes, mec, marque-les sur Facebook, je sais pas, sur tous les réseaux sociaux, partage cette vidéo sur leur mur. Fais ce que tu veux, ma gueule. Mais en tout cas, n'oublie pas que toi aussi, t'es mon pote. Ah ouais, t'es mon pote aussi, vas-y. Bon, attends, mais non, je vais être sérieux avec toi. T'es mon pote que si tu partages cette vidéo. De reste, j'en ai rien à foutre. T'aimes pas cette vidéo? Tu partages pas cette vidéo? Considère-moi pas comme ton pote, hein. Parce que je veux dire, cousin, ouais, ici, si, ici, t'es pas content. On part tout seul, on part tout seul. Ha, ha, peace. Mais, hé, mec, qui fait tu t'abonnes? Tu aimes et tu partages, c'est logique. C'est la moindre des choses, notre pote. Tu vois ce que je veux dire?